Bonjour Emily. On se retrouve pour la partie 9 de Valon Quest Heroes. On a fini toutes les quêtes annexes de Carmehan. On a fait l'île aux épreuves, on a augmenté notre tension. Et on a rendu les quêtes hors stream ce coup-ci. On a oublié de les faire avant de couper. Du coup, j'ai gagné un costume alternatif pour les deux héros. Ce qu'on entend comme ceci. Je choisis entre le rouge et le bleu. Voilà, je préfère le rouge. Largement. Hein. On a aussi changé notre équipe. On est repassé sur Landis. On garde Jessica pour le heal et Nera pour le build attack. Voilà. Dans l'attente d'un dernier allié avec un pouvoir spécial. Sinon, on gardera Landis. On va aller voir les réponses. Hello there! Some posts came for you! Garçon, vous êtes super très fort. Wow, grâce à vous, c'est à peine si la racine de Yggdrasil a été touchée. Pour vous remercier de la part de tous les habitants de Carmehan, mon papa vous a fait un grand sac tout neuf pour votre équipement. Il vous plaît, maintenant, vous pourrez porter tout ce qui vous chantera. Bonne chance. Passez voir la boutique, un petit garçon qui vous a vu. Mon sac est passé de une capacité de 45 à 100. J'en avais bien besoin, parce que j'étais pas. Eleonore, vous êtes vraiment aussi fort qu'on le dit. Mon petit doigt m'a dit que vous aviez chassé les monstres qui terrorisaient Colissea, sauvant au passage la garde-robe de mes clients bien-aimés. Pourquoi avez-vous apprécié la nouvelle tenue que j'ai cousue spécialement pour vous? Je me suis donné un mal fou, j'espère donc qu'elle est à votre goût. Je vous tisse mes remerciements. Eleonore, la couture. Ça, c'est le costume intéressant. Le tissu est arrivé sans encombre. Et bien ça alors, vous avez sauvé Colissea. Grâce à vous, le tissu que j'avais commandé est finalement arrivé comme prévu. D'ailleurs, j'y pense. Comment trouvez-vous la nouvelle tenue que je vous ai confectionnée? J'y ai mis tout mon cœur et j'aimerais vraiment qu'elle vous plaise. Je vous tisse mes ressentiments. Mes remerciements. Et bien, la couture. See you later! J'aurais aimé que ce soit carrément une autre tenue, hein. Mais c'est peut-être un DLC, je sais pas. Ou plus tard. Dans le post-game. Voilà. Donc on a tout fait, ben, on a dans le sang maintenant. Ça c'est le bon placement ça. On s'en fout là. Échafouré dans la canopée. Yggdrasil est attaqué. Les monstres doivent tenter de rejoindre l'hôtel situé à son sommet. Bianca et Nera ont accepté de se joindre à vous. Alors, souriez, c'est l'heure de grimper aux arbres. Perché sur l'arbre du monde. Oh là là, ma tête tourne quand je regarde là-bas. Alors, concentre-toi sur ce que nous avons à faire. Les forces ennemies approchent. Regarde les branches et le ciel au-dessus de toi. Comment est-il? Il s'en prendrait au puissant Yggdrasil, symbole et gardien de notre royaume. Nous devons faire vite, Majesté. Il faut encore grimper pour atteindre la cime. Et apparemment, chaque mec parcouru devra se mériter. Yikes! You wouldn't stand a chance if you fell from all the way up here. Ah, il y a du joli. Yep. Anyone without wings needs to watch their step. Monsters included. D'accord, je me dégage dedans. Monsters? But of course! Friends, we must use this to our advantage! Non, 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 je dis tellement. On ne tombe pas. Such prodigious numbers! And they assail us both from above and below! What
Whatever their number, we have to hurry. We must reach Yggdrasil's crown before it is too late. Il pousse un hurlement à lâcher le sang avant de défendre sa position. Help me out here. Got it. The branches and leaves form odd little paths, don't they? Ha! Makes it rather hard to see which way to go. Ha! 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 Also makes it rather hard to see the blooming monsters. Don't get ambushed, you lot. Journeys between branches. Kira, you would enjoy, yes? Got it. Ha! I beg, Sarib, that you comprehend my great terror of high places. Do not taunt me so. Ha ha ha! Do not quake and quiver so, poor baby Kira. I shall hold your hand. Up you go. They're on the branches, they're in the skies, bleeding everywhere. I can't keep up with this. The crown is still a way away. We can't let them get the better of us just yet. Cold fission! Ha! Ha!
prodigious numbers, and they assail us both from above and below. Fonce sur les ennemis dans une super tornade avant de défendre cette position. Les ennemis d'un coup et des pouvoirs renforcés par la défense de la Don't let me down! Je t'ai bien tué. As long as we win, that's all that matters. Ont-ils reçu des ordres? Pourraient-ils même être contrôlés par quelqu'un? Oh, arrête de marmonner dans ta barbe et avançons. Le seul moyen de parvenir au sommet, c'est de les affronter. Alors, payons-nous un chemin par la force. Voilà une attitude guerrière admirable. Mais ne vous lancez pas aveuglément dans le combat, les amis. Vous pourrez vous en coûter.
What? L'arbre du monde est vraiment si beau qu'on le dit. Hors de question que je reste les bras croisés pendant que les monstres ouvrent sa plonge. Enfin, la situation dans laquelle nous nous trouvons a beau être délicate, il nous faut néanmoins rester calme et vigilant. Il faut faire preuve de courage. Please. Envoyer des monstres à l'assaut de l'Yggdrasil, quel genre de barbare peut bien faire une chose pareille? Je n'ai jamais vu autant de monstres. Où est-ce qu'ils peuvent sortir? Ne laissons pas les monstres nous faire dégringoler des vaches. Sans quoi nous retrouverons aplatis comme des blinis. 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 Se pourrait-il que les monstres soient contrôlés par... Ouais. Peu importe. L'heure n'est pas aux vaines spéculations, mais à l'action. Volons au secours de l'Yggdrasil. On a encore une sacrée grimpette avant d'arriver à la cime. Je vais être sur les rotules après ça. Yes. Les altitudes déraisonnables m'emplissent d'une peur indicible. J'ai vraiment la merde celui-là avec ses vocabulaire. Mais c'est une épreuve envoyée par la déesse Niette. Je dois la gagner pour prouver ma vertu. Ensemble, nous pouvons sauver l'Yggdrasil, je le sais. Venez, allons affronter ces monstres. Yeah. Il faut reconnaître qu'ils n'ont pas lésiné sur les renforts cette fois-ci. Exactement ce que j'aime. Nos héros sont assaillis par des monstres bien plus organisés que prévu. Comme si quelqu'un leur suppliait ce qu'ils devaient faire. Foncer au sommet de l'arbre du monde se trouve la réponse. Comme c'est intriguant. Nous arrivons à la cime de l'Yggdrasil. Encore un petit effort. Ce n'est peut-être que moi, mais plus on approche, plus ils m'ont l'air nombreux. Et plus leurs attaques sont agressives. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas, mais vraiment pas qu'on arrive au sommet. Peu importe qu'ils le veuillent ou non, repoussons-les et franchissons les derniers mètres qui nous séparent de notre objectif. Bien dit, nous ne devons pas abandonner l'arbre du monde en fin de journée. I've been waiting for a chance to break my all-time monster slaying record. Here goes nothing! Ha!
ends right now. Je sais pas si je vais toucher le mauvais fond. Giga Slash. And that's one less to worry about. Lance plusieurs super flammes de suite. Tsarevna, you are too much perilous. Please to promise me you will not act with such abandon. Don't let me down. Don't let me down. The fiend's assault rages outside us. Can we really take on such numbers? Well, we can't exactly leave them to it, can we? We've got to do something. Yggdrasil reminds me of a certain mysterious tree back in our world. This ends right now! Giga Slash! What, that overgrown twig? That's like comparing a bleeding great oak tree to a poplar! What's that you say? Something about you being a bleeding great oaf with no imagination. Wow!
Accept your challenge. Losing was never an option. On les a tous eus. Oh, c'est génial. Je pensais que ça ne s'arrêterait jamais. Oui, on dirait bien qu'on s'en est sorti. Je me dis juste, est-ce que je suis épuisé après tout ça? Je crains que nous n'ayons pas beaucoup de temps pour récupérer. Tu as raison, il faut y aller si nous voulons sauver l'arbre du monde. Et l'autre qui nous a aidé, c'est lui. J'ai pas pu te ramasser. Hello, Ducky. Ça.
The kingdom needs your help. Take care. I hope you're well. Come again? Watcher! Cheers! Cheers! Be lucky! Bon, ouais, j'ai regardé un peu sur le net là. La quête que j'ai fait c'était équipement, j'ai pas fait gaffe. Donc je me donne un peu pour la place. The kingdom needs your help. Take care. Watcher!
Be lucky. And what can I do for you? Ahem. Ready? Choose wisely now. 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 Do come again. Dans un mur de briques. L'équipe a fondu les vagues de mousse successives et est enfin parvenue au sommet de l'arbre du monde. La cime de l'Yggdrasil est toute proche. Un dernier effort. Yggdrasil's crown is beyond this door. Okay, let's go, go, go. I'm going first this time. Bluey! Crikey, what the X2's problem? Well, this don't look too clever. Old Brickface over there ain't gonna let us through, is he? We're not gonna get in with him on the door. If the Guardian will not allow us to pass, then we must pass through the Guardian. Mentioned anything about a gatekeeper. You don't think this means... Alas, I fear that it might. Yggdrasil's crown may already have been infiltrated. We can't have that. The altar's our only hope. We need to get past this thing and get in there. It is as they say, the most toughest bow requires sharpest axe. We must avoid to panic, peruse for an opening and give to him thunderous what for! Here we go!
cocoon. Giga Slash! We'll be seeing of him. All right, come on. Last one ends up. And not so fast. Something strange is afoot with our sparring partner. Huh. Itching for another round, huh? Don't mind if I do. Attends. Quoi ça? Là. Attends à peine. Merde. Allô, allô. Ah, j'ai fait de la merde. Je suis pas du tout sur mon micro. Allô, allô. J'ai pas vu. Ah, ça a dû être dégueulasse. Bon. Tant pis, hein. Ce qui est fait. Je peux pas le taper. Viens de se remettre une life. Ok, bon. Amène-toi. Un peu deck quand même, hein, que niveau micro, voilà quoi. Vous l'avez eu pour de bon cette fois. Le ciel soit loué, ce gros balourd me glaçait les tentacules. Sois tranquille, tu ne crains plus rien. Tu ne crois pas qu'il s'en remettra là? J'en doute aussi. Hélas, il semblerait que quelqu'un se soit déjà faufilé dans la cime. Ventre bleu, alors il est fort probable qu'un autre adversaire redoutable nous attende à l'intérieur. Il faut s'attendre à tout. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a fait le tour du monde? The arena in Colosseum. It sure is.
I've been looking forward to this. A moment. Ah, but of course. The self-satisfied swordsman. So, despite your protestations to the contrary, you were with the Lightlings all along. Nope, but I signed up with them. Figured they'd lead me straight to you, and they sure didn't disappoint. Time to pick up where we left off. Let's go! Please do desist. Prior to combat, let us make inquiries of him and determine his identity. Seconded. And I would know what business he has with us Lightlings. Do not fret, little ones. I mean to tell you everything. To begin, it seems only right that I introduce myself. Up. I'm Velasco. Last and greatest king of the Children of the Night. The Children of the Night? Isla spoke of a force. I take it your people stand against the Children of the Light. So, you have learned something of the world's true nature since last we met. If so, you must have also learned of the centuries of oppression my people have suffered. No. At the hands of your forebears. A long, long time ago, under the guidance of the goddess, your noble ancestors conspired to attack the father of the Children of Night, the Great Black Dragon. By their treachery, my master was robbed of his strength and sealed away against his will using the power of Yggdrasil, the World Tree. After this, the world was flooded with light, and only light. And monsters began to forget their eons-old enmity with man, becoming little better than sniveling lapdogs. What? Are you saying that monsters are meant to attack humans? I refuse to believe it. It's not in their nature. How wrong you are. It was not just the monsters your kind corrupted, my dear. The very fabric of the world itself was warped. Warped by the unjust actions of the Children of Light. I crave but one thing, that the natural balance be restored. That the darkness be allowed to retake its rightful place Stop in the him. World. He's going to hurl that thing at Yggdrasil. Not if I can help it. No, wait! My dear Lightlings, you make it too easy. What? Heaven! Come on! Break free! C'est quoi ce truc chelou? This altar is a thing most sacred. Only the Children of Night and Light may approach it. What better place than this to set my trap? Lightlings, witness the power of the Circle of Night. Into darkness is to plunge the Children of Light into darkness also. Now, down you go. Ah, to the blackest depths of night. No, I won't let you do that. Hmm? What? Just a little too far-fetched. As if a heel slide would bear the Circle of Light. What joy! What pleasure! What sweet satisfaction! Now, Lightlings,
Let your minds and your bodies drink in the darkness and relinquish your hold over the world tree. It will not take long for the blackness to seep down and gain a stranglehold on Yggdrasil's roots. And when it does, that detestable seal will be broken, and my master, my god, the great black dragon shall rise again! Listen, you must promise me, that you will never let him win. D'accord. Non. Idiot. He used up the last of his strength to save me. Cool, blimey. He never rains, but he pours, eh? This looks bad. There are more arriving by the second. We have to get out of here now. Come on, this way. Dead and excessively high. Well, there ain't no turning back. What do we do now? A second too soon. All right, everybody. I think it's time for us to go. From this place? But surely you do not intend to jump? It's all right. There'll be no need for anything so dramatic as that. Crikey, everyone's so upset. Can you blame them? They've just seen someone they hold dear wrenched unfairly from them. If only I hadn't just run in like that without thinking. Then he wouldn't have... This is no time to be blaming yourself. If anyone is at fault here, it is I. Hmm? Your Majesty. In this world of ours, there live certain stout-hearted souls. Warriors, charged with the sacred task of protecting the children of the light. Guardians. And I, your humble king, count myself among their number. Being such, it has ever been my sworn duty to protect the two of you, come what may. But you're the king, and we're just soldiers. You're saying you were supposed to protect us? Just so. All the rulers of my line have held this selfsame honor. And yet, alas... I was unequal to the task. I failed in my duty. And one of my charges came to harm. No! Ma! I shall dwell no more on such woes! Not while a glimmer of hope yet remains! What? Are you saying there might be a way to bring him back to us? I know not, but there can be no harm in seeking counsel. The goddess may yet provide. When you say the goddess, would I be right in thinking you mean the same goddess who sealed away the dark dragon? Do me a lemon. What chance you got of speaking to a bleeding goddess? There is a place in this wondrous world of ours where the children of light may go to hear her speak. A sacred tower known as the Pinnacle of Light. I have never visited the Hallow Spire myself, but legends tell that at its very top stands an altar wherein the goddess dwells. So if we go there,
we might be able to save Yggdrasil and help bring him back as well. You must journey thither, and I for one shall journey with you. And I, noble friend, I will adhere to you until our journey's very end, as shall we all. Well, is this not so, friends? Hey. Truly we are blessed! Never were there more dependable companions! Then it's settled. To the pinnacle of light! La déesse Walwe, tu sembles avoir retrouvé ton comportement d'antan. Oui, ça va beaucoup mieux. Merci à vous tous. Des remerciements, niette, pas de ça chez nous. En tant que camarades et compatriotes, c'est notre devoir. Et maintenant que ça va mieux, nous devons travailler tous ensemble pour trouver un moyen de sauver Lucius. Un plan infaillible, niette. Tu n'es pas solidaire. Solitaire. Pachalina. Nous avançons et combattons à l'unisson. Oui, tu as tout à fait raison. Je suis content de voir que tu vas mieux. Nous allons nous entretenir avec la déesse Niette. Qu'est-ce qu'il a dit ? Eh, Sachalina, tu sais pas où est Bleu ? Medicix ? Ah non, maintenant que tu en parles, ça fait un moment. Je l'ai cherché partout, mais c'est comme s'il s'était évaporé. Il avait vraiment le moral dans les chaussettes. Je me fais du mouron pour ce petit gars. Moi aussi, ça a dû lui fendre le cœur de découvrir que sa couronne n'a pas permis de sauver Lucius. Tu crois quand même pas qu'il s'est fait la malle, hein ? Sapristi. Bon, je peux pas rester là à rien faire. J'ai intérêt à le trouver et en vitesse. Pauvre Medicix. Où peut-il bien être ? Ouais, où peut-il bien être ? J'ai cherché partout, mais impossible de retrouver Bleuet. Où est-ce qu'il a pu aller? Je commence vraiment à me faire du mouron. Ok. Il est prêt encore? Il semble avoir récupéré sa Shaina. Voilà qui est plaisant à voir. Merci, Votre Majesté. Maintenant que je sais où je mets les pieds, je peux aller de l'avant. Et je voulais savoir, ça fait combien de temps que vous savez que nous sommes les enfants de la lumière, Lucius et moi? Mais depuis votre naissance, bien sûr. Vous ne vous en souvenez sans doute pas, l'un comme l'autre, mais vous n'avez pas toujours vécu à Arbera. Vous avez vu le jour à l'île Mirande, le berceau de votre clan. Ouais, d'accord, carrément. En tant que gardien, j'étais amené à Mirande de temps en temps. Votre peuple était des plus nobles et respectait un mode de vie fortement ancré dans les coutumes. Quoi ? Je ne me rappelle pas être jamais allé dans un endroit comme celui-ci. Cela ne me surprendrait pas. Tes souvenirs, s'ils existaient encore, seraient des plus douloureux, des souvenirs qu'il vaut mieux enfouir. Douloureux? Comment ça? Je ne sais pas comment te le dire, mon enfant. Ton village natal a été détruit. Il a été réduit à néant par des inconnus. Je suis venu dès que j'ai pu, mais à mon arrivée, le village était dévoré par des flammes et tes compatriotes, ils avaient tous péri. Tous sauf Lucius et toi. Comment? Je vois. Et c'est ainsi que je vous ai tous deux pris sous mon aile. Vous êtes les derniers descendants des enfants de la lumière. Vous devez être protégés. Donc, Dragon Quest 2, ça se passe dans le passé. Ou alors celui qu'on fait des enfants, ça va. Pardonne-moi, Sachaina. J'ai cruellement failli à mes obligations de gardien. Mais c'est terminé. Je fais à nouveau le serment de vous protéger jusqu'à mon dernier souffle. T'aurais pu nous le dire plus tôt aussi, salaud. Quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. Même la poigne glacée de la mort ne pourra pas me séparer de vous deux. J'en fais la promesse. Votre Majesté, je vous en remercie. Elle va pleurer. Alors, t'as des trucs pour moi? Ouais. Hop. Here you are.
See you soon. The kingdom needs your help. Faire des quêtes. Ouais. Comme ça, on a une partie. Elle est bon. Hein. Donc on va s'arrêter là. Ouais, ça fait 1h02 déjà. Aïe. Mieux que ce que je pensais, scénario. Je m'attendais pas à ça. Ah, ça change. Bah, prochaine partie, on fera les Catalex. Comme d'hab. Vous écoutiez Sacha Yuna et je vous dis adieu. Jusqu'à la prochaine session.